Bien, ensuite, avec deuxième exercice. Donc, parce qu'on nous fait. Deuxième exercice, parce que tu vois, il y a une raison difficile, raison simple. Mais une fois que tu as fait, tu as la méthode ou le principe que tu as fait, et tu as fait facile. Mais si tu as fait, ça fait. Donc, c'est que tu as fait, c'est une correction, ou un exercice, très bien. Donc, il y a une fois que tu as fait l'exercice, tu as fait impossible à te faire. انا بعدا نقول لك بعدا يعني شخصيا مني انا دونك صعيب شويه اوكي يعني واخا تحاول معاه ولكن ما غاديش تخرج صحيح حيت اصلا انت ما عندكش واحد الميثود في راسك تخيل دونك انا ماشي من دوك الناس كيقول لك طفي الفيديو وخرج حاول تخرجو حيت اصلا غتبلوكو وما غاديش تخرجو انا عارف غادي تبلوك تخيل بيان دونك نبداو على بركه الله بيان دونك نقراو ليكزرسيس سوا ا تي ا تي تي لوا دو كومبوزيسيون انتر دو أ تخي بيان إي بي إيطوال دو جروب دو جروب يعني خصنو خصنو كيكون جروب خص يكون لا لوا أسوسياتيف يكون بي أو لا أ أدمي أن إليمون نوتخ توت لي زيليمون أدمي أسيميتريك أو لا أدمي أن إنفيرس أو لا توت لي زيليمون إنفيرزيبل أوكي تخي بيان دونك دو جروب إي إف مورفيزم شنو قلنا مورفيزم هنا قالك مورفيزم دو أ فيربي دونك اف مورفيزم دو ان فير بي دونك يعني كيتسوت كلاسيكال باش نتذكرو اوكي دونك بين اف مورفيزم دو ا تي فير فير كوا بي ايطوال بيان دونك كي كوسوا اكس ايغريك ابارتيان كوا appartient quoi? L'ensemble de départ, les IA. On a F de X, T, Y, yani quand on a le premier ou la loi, la première loi, égale F de X, étoile, F de Y. C'est la définition. Donc ça, F, on dit que F est un morphisme. Très bien. Première question, si As est un sous-groupe de A, montrer que F de H est sous groupe de B. Il y a les matchs, ok, les matchs d'Erix de H est un sous-groupe aussi. Très bien. Deuxième question, si K est un sous-groupe de B, montrer que F moins 1 de K est un sous-groupe de A. Très bien. Il y a un morphisme réciproque. Il y a un tchèque à l'axe. Ok, donc F moins 1, il y a un tchèque par exemple ça. F est une application, donc c'est ça. Alors ça est une fonction, ça est une fonction réciproque. Donc ça est un morphisme, donc ça est un morphisme réciproque. Très bien. Ni déjà que l'axe. Bien. Donc montrer que donc K est un sous-groupe de quoi? De B. H est un sous-groupe de A. Donc l'image de H appartient ou est un sous-groupe de B. Ok? Très bien. Mais là, K appartient à B. Il y a l'ensemble d'arrivée. Ok? Donc montrer que F moins L de K est un sous-groupe de l'ensemble de départ lié à A. Très bien. Troisième question. Supposons que G point est un sous-groupe abélien. Abélien. Donc G point est un groupe abélien, pardon. Donc il est un groupe abélien. Alors point est associatif, point est commutatif. Tous les éléments appartiennent à G admis un symétrique. G admis un élément neutre. Très bien. Il y a quatre conditions. Montrer que l'ensemble des éléments d'ordre fini est un sous-groupe de A. Ok, donc de notre ordre. L'élément d'ordre d'un élément. Très bien, donc là, maintenant, je vais tout le cours. Est-ce que je vais tout le cours? Ben, je fais moi l'exercice bien. Je vais tout le cours, moi, que tu vas faire mon petit. Donc là, il y a des éléments de faire moi. Ok, donc on a des comme définition, la confession sur la question 3. Très bien. Donc, on doit aller voir la petite lame à. Avec première question, montrer F de H est un quoi? Est un sous-groupe. Donc, rappel d'Elsmith, donc d'Elsmith qui fait l'exercice 1. Donc, on dit que H est un sous-groupe de A. Si quoi? L'élément neutre appartient à H. Donc, H différent l'ensemble vide. Tous deux éléments appartiennent à H. Alors, H. Donc, admettez, donc, soit x, y appartient à H, alors on a x, t, y appartient aussi à H. Ok? Et
le symétrique, quel que soit x appartient à h, on a x moins 1 aussi appartient à h. Il y a toutes les x appartient à h, donc le symétrique du x appartient aussi à h. Très bien. Donc, première question. Montrons que quoi h est un sous-groupe de quoi d'où ou le f de h, pardon, f de h. On a aslan atawk par l'hypothèse galak h est un sous-groupe, yani ftardou lina b'anna h sera sous-groupe de a, ou khassna montre lihom b'anna f de h est un sous-groupe de b. Très bien, donc première condition, on tahqou b'anna l'élément neutre de quoi de b, yani on dit e b, soit e a l'élément neutre de a et e b l'élément neutre de b. Très bien. On a EB appartient à F de H car EA appartient à H, alors F de A, F de EA égale à quoi? Égale à EB appartient à F de H. Très facile, ok? F de A appartient à H ou F de EA égale à EB, donc EB appartient à H. Très facile. Bien. Donc, deuxième condition, des premières clés de condition. Donc, deuxième question, condition, soit quoi? Deux éléments, x, y, alors dire x prime, y prime, il est mal, x prime, y prime, appartient quoi? À f de h. Ok, le but de nous montrer, non, x point, x prime, étoile, y prime, appartient aussi à h. Très bien. Donc, et soit tel que, donc pardon, dire tel que f du x égale à x prime, f du y égale à y prime, ou x, y appartient à l'ensemble des parts. Ah, bien. Oh là, oui. Donc, il n'y a pas. Donc, il ne se groupe pas. Donc, on a x, t, y appartient à h, car h est un sous-groupe. Ça va être très bien. Alors, x, ou le f, f du x, ok, t, y, égale f morphisme, donc égale à f du x, étoile, f du y. Donc, f du x égale à quoi? Égale à x prime, étoile, y prime. Donc ça appartient à quoi? L'image de H. Donc ça appartient à F de H. Très bien. Donc on est bien. Donc deuxième question, sans verrier. Donc maintenant, troisième condition, les liens symétriques. Quel que soit, soit X prime appartient à F de H. Ok? Voilà. Ou le tel que f du x égale à x prime, tel que f du x égale à x prime, ok. Donc on a x ou x appartient à h, x moins 1, ok, appartient à h, alors f du x moins 1, ok, f du x moins 1 égale f du x litre moins 1, ça appartient quoi? À f
Donc, on a l'image de l'inverse égale à l'inverse de l'image. C'est-à-dire, il y a une dernière propriété dans le cours. Donc, donc de notre démonstration égale à. Donc, mais si c'est simple. Donc, ça égale à quoi? Égale à x prime moins. Donc, on déduit quoi? Donc, trois conditions sont vérifiées. Alors, on a ainsi. F de H est un sous-groupe. Sous-groupe, pardon. De quoi? De A. Ah, on a deux B. Donc, tu viens de faire une première condition B appartient à F de H. Deuxième question, on a deux éléments. On a deux éléments. On a deux éléments. La loi étoile. Elle est la loi étoile. Parce qu'il y a une loi B. 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 Parce qu'il y a une loi B. Donc, il y a une loi qui est comme B. Il y a une loi qui est comme B ou étoile. Donc, c'est une loi X prime étoile et qui appartient à F de H. Donc, on a la loi. F de X, F de Y égale X prime. Donc, c'est toujours vrai. Pourquoi F est un morphisme, donc les masses admises à l'intérieur donc très bien. Donc, bien. Donc, troisième condition, x prime soit, sauf mais, les coulis, soit x prime appartient à F de H, on a x prime moins A appartient aussi à F de H. Donc, l'inverse appartient à F de H, donc on dit quoi? F de H est un sous-groupe de B. Puis ensuite, deuxième question. Ok. Donc, on va dire la deuxième question. On va essayer de le rappel de ce groupe. Mais c'est cette question là. Pourquoi? Parce que tu vois que je suis en train de faire un petit peu. Ok. Je vais dire que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Donc, on va essayer de le rappel et on va essayer de le rappel. Très bien. Rappel. Mais si c'est très simple. Trois conditions. Donc, c'est vrai que je fais. Ok. Mais c'est vrai que je fais. Mais c'est vrai que je fais. Rappel, très bien. Donc, par exemple, en général, on dit par exemple H est un sous-groupe de G étoile si. Donc, trois conditions. L'élément neutre E appartient à H. E de G, bien sûr. On dit quoi? Ok. Et quel que soit x, y appartient à H, on a x. Chauffe ma aïe. Rattachons la loi qui est le sous-groupe. Elle est ce que nous avons fait avec la loi. Elle est l'ensemble qui est donc avec l'ensemble qui est comme la loi. Donc elle est l'ensemble qui est comme la loi. Donc elle est avec la loi qui est comme la loi. Donc elle est l'ensemble qui est comme la ensemble de G. Alors, cette loi qui est comme H, c'est ce qu'on dit X étoile, Y appartient aussi à H, ou quel que soit X appartient à H, le symétrique, on a X moins 1 appartient à H. Donc, trois conditions très bien. Donc, d'abord, la deuxième question, on va faire combien de fois ça chauffe. Et d'ailleurs, on va faire une fois que je vais faire une. Donc, deuxième question, c'est K est un sous-groupe de P. Il est un sous-groupe de quoi? De P. Montrer que F moins A de K, yani morphisme réciproque, est un sous-groupe de A. Bien. Donc, c'est une première condition. Nous devons nous dire que A appartient à F moins A de K. On a. Donc, deuxième question. Montrons que F moins A de K est un sous-groupe. De quoi? De A. Bien. Donc, on a E. A. Appartient quoi? F moins 1. De K.